begin to live my life without you. Wish that I could make you stay. C'est plus moral que qu'autre chose, hein, donc ça va, je tiens, je sais que c'est difficile, mais ça va, je vais me réveiller, je vais me tromper. Comment tu as trouvé la réaction du supporter de l'Espérance après ta blessure? Ouais, j'ai eu pas mal de messages d'encouragement, ça fait plaisir, parce que tu sais, le soutien mental dans ce genre de cas est très très primordial, donc ça me fait plaisir de lire des messages de beaucoup de gens qui me soutiennent, c'est bien, tu vois, et ça me donne de la force et je peux qu'être content, donc je dis merci à tous ceux qui ont pensé à moi et aussi à ceux qui pensent à moi et qui n'ont pas mon contact pour me le dire, parce que forcément il y a des gens aussi qui aimeraient bien me dire courage, mais qui n'ont pas mon numéro, je leur dis, ça y est, il suffit d'avoir une pensée pour moi, même s'ils ne me le disent pas, le simple fait d'avoir pensé, ça me fait plaisir. Oh, c'est rien, c'est le risque du métier. Quand tu choisis de faire du football ton métier, tu es préparé à ces choses-là. C'est vrai que c'est un peu délicat, c'est un peu difficile, mais bon, on en voit tout le temps, hein, même les plus grands ont fait ça, donc après c'est mental, comme j'ai dit, j'ai totalement confiance au professeur, je sais qu'on fera du bon boulot et après j'ai confiance en moi, je sais la force que j'ai mentalement et je sais que je vais bosser dur et dans quelques mois je serai là, je vais refouler les stats, ça j'ai confiance et je crois en ça. C'est ce que les gens espèrent. Un message pour Oussama Hadedi. Oh. Hadedi, le joueur de Club Africa. Moi, je pense que c'était pas intentionnel. Il a juste été, un peu été agressif sur le ballon, mais c'est pas un tac pas derrière, tu vois. C'est pas,
Je l'en veux pas, c'est pas comme si tu as le ballon et il vient et te tape pas derrière. Et c'est vrai que je ne l'ai pas vu venir. Si je l'avais vu venir, j'aurais joué l'action autrement. Bon, on sait tous l'importance du match. Hein, donc il a juste eu un engagement démesuré pour pouvoir sauver son équipe, pour pouvoir. C'est un défenseur et il a fait ça. Bon, je pense pas que c'est sciemment. Et je revois les images, en aucun cas c'est sciemment. Je lui ai dit, si jamais il avait des remords, de ne pas s'inquiéter, c'est ça le foot. Hein. Je lui ai dit, c'est difficile de leur dire ça. Bon, je lui ai dit, bravo pour les victoires. C'est ça, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Ils nous ont gagné, c'est que partie remise. Le foot, ça continue. J'espère que l'année prochaine, on gagnera. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire pour moi. Je pense pas que. C'est lui qui m'a mis dans cet état. Tout ce que je dis, c'est que tout ce que Dieu fait, bon, c'est le destin. Chacun suit sa route. C'est comme ça devait se passer. Et je respecte la décision de Dieu. C'est lui le maître. C'est lui qui décide sur nous. Tranquille. Je sais que je rejouerai, tu vois. Et je pense que quand je rejouerai contre lui, j'essaierai tout pour le mettre un but. Un message pour rassurer les supporters de l'Espérance. Ben, comme j'ai dit, je suis content. À chaque seconde, je reçois des messages d'encouragement. Ça me fait plaisir. Vous savez, j'ai espérance dans mon cœur. J'ai vraiment aimé cette équipe. J'aime vraiment cette équipe. Tu vois, donc, même quand je suis parti en Suisse, j'ai pas tardé à revenir. Donc, j'aime vraiment cette équipe au plus profond de moi. Tu vois, donc, quand les choses vont mal, je vais mal aussi. Au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, au-delà de qu'on travaille, on est payé par le club. J'aime vraiment cette équipe. J'ai passé, avant qu'on gagnait tout, j'ai passé des super bons moments. J'oublierai jamais. Et je me dis que le meilleur reste à venir. Tu vois, c'est juste une année sans. Ça arrive à tout le monde. On voit le Real qui s'est fait éliminer hier. Ni en championnat, ni en Champions League, ils gagneront rien. Donc c'est ça. On dit, on prend les mêmes et on recommence. Je me rappelle une année, Barcelone, ils se sont fait gagner 7-0 par le Bayern, et 2 ans après ils ont gagné 3-0. C'est ça le foot, un jour tu gagnes, un jour tu perds, et c'est dur d'accepter quand tu es dans un grand club comme l'Espérance, mais après il faut s'y faire, il faut accepter. C'est ça, il faut pas baisser les bras, il faut continuer à être à fond derrière l'équipe comme ils le font très bien. Et je dis merci à tous ceux qui ont pensé à moi, et je dis aussi merci à ceux qui pensent à moi mais qui n'arrivent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas mon contact, à me dire des mots. Bon, je pense que ça va, je tiens le coup, je suis confiant que j'aurai du caractère pour revenir, et je fais confiance à la clinique qui je suis ici et avec les gens qui s'occupent de moi, en particulier le professeur Laurent. Je sais qu'il a commencé du bon boulot, et je sais que avec le kiné Yacine qui me suivra après pour la rééducation et tout, et avec ma force mentale. Je suis un guerrier, je suis habitué à me battre, donc c'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Et je sais que c'est un mal pour un bien. Je prendrai un peu de recul, et on dit parfois il faut mieux reculer pour mieux sauter. Je sais que dans quelques mois, Inch'Allah, je ferai. J'ai de bonnes choses à faire dans le football encore, et ça j'y crois. Ouais.